Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul produit terminé. Donc je vais faire voir ce que j'ai acheté, je vous dis mon avis personnel. Et puis voilà, allez, c'est parti. Donc chez les chats, une petite portion pour chat adulte à la truite de 85 grammes, 22 centimes chez Noz. Ils avaient bien aimé, rien à dire sur ça. Ensuite, de chez Kinder, j'avais testé ça, c'était tout nouveau, des chocobons au chocolat blanc, frais au lait et la noisette. J'ai adoré, très très bon. Chez Michael, des buns en cas de dépannage, donc je mange ça avec un peu de légumes à côté, ça dépanne bien, franchement rien à dire, très très bon au burger. Les produits de chez Zeman, dont j'en ai quelques-uns à vous faire voir que j'avais une dernière fois. Voilà, donc c'était des petits bijoux. Rien à dire, je pense qu'ils sont un petit peu trop fragiles. Donc faites attention. Pour 99 centimes. Et c'est là c'était sans nickel. Et là c'était des petites barrettes pour les cheveux. Ouais, des petites nœuds. Que j'ai tout réuni dans mes trousses. Ah, barrettes. Ah, accessoires de maquillage. Accessoires de. Pour les cheveux. Ouais, pour les cheveux. De cheveux. Ensuite, j'ai découvert ça chez Entremont. C'est très bien. Très bon. Très pratique. Des tranchettes de côté, c'est des bonnes gars. Ensuite, chez maïs de crêpes au maroilles, ça c'est très très bon, c'est des bonnes gars. De temps en temps, j'aime bien tester des nouveaux trucs. Ça, j'ai eu ça par hasard en surgelé, tout comme les buns. J'ai pas déjà, je vais tester ça, on verra bien. Ça me, parce que je marque comme ça, je sais pas. Bref, on va redresser la barre, ouais, c'est mieux comme ça. Excusez-moi. Bon produit, qualité, prix, j'aime beaucoup. Chez Auchan. Je pense que j'avais eu chez Auchan. De toute façon, je vous avais regardé mes hauls, là, vous serez fixé comme ça. Des pendentifs de chez Zeman. 99 centimes, sans nickel free. Très très bien, mais fragile. Moi, c'est vrai que c'était pas le nickel de fromage. Marouille. Alors, il me reste deux bâtonnets comme ça. Donc, je les ai mis de côté, et bah franchement rien à dire, ils sont très très bien. Je les ai vus chez Action, franchement très bonne qualité, pas cher parce qu'il y avait plusieurs boîtes de senteurs différentes, ils sont très bien, ils sont bons, rien à dire. Ils étaient à l'œillet et à la cannelle, très très bien. J'essaie de faire vite et bien, sinon ça va durer une éternité. Alors, des petits biscuits que j'ai vus chez Maïs Dépôt. Personnellement, je les ai pas aimés. Du coup, bah, il me reste quelques-uns. On m'a aidé à les manger. Une boîte sur deux. Donc, du coup, bah, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais essayer de les donner ou je vais essayer de les tremper dans du café, etc. pour le matin déjeuner. Ils sont vraiment pas bons parce qu'ils étaient à côté de moi. C'est pour ça que je regarde. Des petits biscuits au chocolat blanc. Ils sont en train de coucher. C'est pas très bon. Mes chats, ils raffolent de ça, c'est des petites friandises pour les chats de chez Whiskas. Ils ont rien à dire sur ça, ils aiment beaucoup. Chez Twix, les chocolats blancs au chocolat blanc, les chocolats blancs au Twix. Du coup, je les aime bien beaucoup, ils sont trop trop bons, rien à dire. Les crêpes de chez Paysan Breton, des crêpes nature sucrées. Très très bon, rien à dire, c'est une tuerie. Vite et bien, je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave, les pop prises de chez Galax, c'est des petites bâtonnets, des petits carrés de chocolat blanc avec du riz. Je pense qu'ils sont beaux, je pense que c'est à peu près les mêmes principes que les Galax que j'achète en tablette en Belgique. Donc là j'ai trouvé Action, donc du coup ça fait je pense que c'est beaucoup moins cher. Sinon je pense que c'était vraiment bon à tester. Ça, je vous mettrai à l'autre côté pour vous dire le prix exactement, enfin pas le prix, le mon topo à moi parce que je les ai pas encore. Alors chez Kinder, encore une fois, décidément j'aime beaucoup Kinder, c'est déjà le deuxième produit que je vous montre. Des tranches de lait génoise fourrée au lait, ça c'est très très bon, ça passe crème. Je les ai eu en Belgique cela, du coup ça c'était 28 grammes et ça avait le goût de miel par contre. Marqué dessus, c'est marqué qu'il y a du miel. Enfin, c'est pas marqué, mais on le voit avec le petit dessin du miel.
des tranches de lait que j'aime beaucoup. Ensuite, ça n'a rien à faire. Des de petits croissants que j'ai beaucoup aimé de chez Pâté. Emballés individuellement par deux. Non, c'est pas des individuels, du coup. Donc, ils sont emballés par deux. Là, vous en avez 8. Très bon produit, j'aime beaucoup. Ensuite, des. Alors. J'ai fini un paquet, bah, pas fini, mais il restait quelques-uns, je les ai pris, et je les aime beaucoup, pardon. Des mouchoirs de chez Floradis, je sais pas si ça vient de où, il me semble que c'est Lidl, si je me trompe pas, ou Aldi, un des deux. En tout cas, ils vont très très bien. Ils sont solides comme tout, rien à dire. Des bijoux de chez. Non, c'est pas bijoux. Oh, je sais plus ce que c'était, un bracelet, des boucles d'oreilles ou un bracelet, je ne sais plus. En tout cas, c'est 99 centimes. Rien à dire, c'est Gilman. Très bien. Ça, c'était des sticks de café. Solubles, très très bien. Rien à dire. C'est la densité, c'est 5. Je vais voir, parce que sinon, on sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un. Très pratique. Petite portion de 1,8 grammes. 25 sticks, pardon. Voilà, très très bien. Ensuite, du kebab de l'Isla Mondiale. Très très bien. Bon, ça n'a pas vraiment le goût du kebab. Enfin, c'est quand même différent. Bien que ça dépanne bien. Voilà. Donc, je pense que j'ai les frais parce que j'avais une réduction à des stockages beaucoup moins chers. Donc, du coup, je l'ai pris. Ou alors, je sais pas. Je ne sais plus c'était quoi. Mais sinon, ils étaient très très bons. Rien à dire. Je vais vous faire voir un petit peu l'emballage. Donc, c'était cela. Je pense pas qu'il y a du stockage, je sais plus très bien. Enfin bref, je l'ai pris pour faire plaisir. Il faut faire un repas. Des bijoux de chez Ziman, rien à dire, ils vont très bien. Des tampons qui me restent encore quelques-uns dans ma boîte, dans mon coffre, enfin dans ma grosse boîte de protection hygiénique. Ils vont très bien, rien à dire sur ça. Je vais voir un petit peu comme ça, c'est très drôle. Et c'est cela avec des applicateurs. Rien à dire. C'est bon. Très bien. Alors, une crème de cire. Oui, il y a trop. Ah, la vanille. De chez Lidl. Très très bien. Rien à dire. Et les fameux croissants que je vous ai montrés. Parce que je crois pas que j'ai des trucs qui sont encore bien. Le reste, c'est à mettre à la poubelle. Ensuite, de chez Nestlé, j'avais goûté cela. Elles sont très bonnes, il y en a d'ailleurs. C'est des barres de céréales avec du miel. Elles sont super bonnes. Voilà. Par 6, emballées individuellement, bien sûr. Il me reste encore 3, je les ai mis dans mon coffre. 2 ou 3, il me semble que c'est 3. Enfin bref, ça s'affiche. Barre de céréales au miel, voilà. Hein, rien à dire. Très très bonne. Ensuite, ça c'était mon. Je suis en train de ce que c'est. Du coup, ça c'était mon carnet. Mon dépliant carnet, on va dire ça comme ça. Comment dire ça? Carnet de. Ah, je sais plus le mot. Un carnet pour noter tous les rendez-vous, il y avait des post-it, un petit. Un carnet planning, on va dire ça comme ça. 3,99€ chez Noz, il est encore là, je vais attendre le déballer pour que j'en aurai besoin. Là pour l'instant, je recommande un agenda et j'ai aussi un agenda en réserve. Donc là pour l'instant, je m'en sers pas de mon carnet planning, on va dire ça comme ça. Alors ça c'était très très bon, j'ai bien aimé. C'était un pomme poire kiwi. On sentait pas trop trop le goût du kiwi. Pomme 9%, poire 0,5, kiwi 0,5. Voilà. Donc je vais vous faire les ingrédients si ça vous intéresse. Je sais pas si vous allez voir. 1,5 litre, non, 2 litres. Très très bien, bon produit. Après, ça il m'en reste
Il me reste pas mal. C'était des protections hygiéniques pour les fuites urinaires. Bon, moi j'ai pas de fuite, hein. Mais je dis ça peut dépanner quand on a les règles. Et elle va très bien. Bon, là voilà. C'est marqué mini 14 serviettes pour fuite urinaire. À votre ordre, bien pendant les règles, même pendant les fuites urinaires, allez savoir. Ensuite, au niveau de la marque Le Petit Olivier, j'ai testé ça, crème de douche jasmin et cassis. Mon dieu, celui-là, qu'est-ce qui va me manquer? Il était trop, trop bien. 1,49€ chez Noz. Ah, bah oui, il y a encore l'étiquette rose. Je ne suis où? Qu'est-ce que j'aime bien? Il sentait bon, il me faisait pas la peau sèche. Ah, oh ouais, ils sont trop bons. Rien à dire. L'odeur, c'est une odeur de petit suisse aux fruits rouges. Enfin, ça sent les fruits rouges. Ça sent super bon. Oh. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de crème parce que je commence à avoir les mains sèches. Il me reste encore quelques trucs, mais ça va aller. J'essaie de faire au plus vite et bien. Ouais. J'ai testé des céréales comme ça qu'il y a de chez Lidl. Des petits sachets, bon, c'est bien sympa, mais bon, c'est bon, mais c'est pas de la marque. On voit quand même une différence. Mais ça va, ça passe crème. J'ai testé aussi cela. Très très bien, rien à dire. Bon, après, c'est pas de la marque, mais elles sont bonnes. Hop là. Un Caribos Ananas, donc c'était un jus de boisson à l'ananas. Ça nous referait 12%, 33 centilitres. C'était bon, mais un peu trop sucré. On ne ressentait pas les fruits. Mais c'est pas, évidemment, c'est pas une boisson, c'est pas un jus de fruits pour trop pur jus. C'est une boisson à l'ananas. Donc moi, je vous aurais prévenu. Hein. C'est très bon, mais c'est fort sucré. Le cappuccino chez Nescafé, bah oui, hein. Très très bon, rien à dire. Vous avez vu ça en dégustation chez Auchan. On avait reçu deux sticks de café, dernière nouveauté chez Nescafé. Et il y avait un échantillon Nescafé comme ça. Donc j'en avais deux, puis je dirais que c'est très bien, ça fait l'affaire. Et dernièrement, au niveau du Nescafé, j'ai trouvé une boîte de sticks comme ça, Nescafé classique, en promotion. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Enfin, il y avait une réduction, donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, je suis bien. Pour le Nescafé, après une chasse que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est un format de 500 ml, dont c'est marqué sauce émulsionnée froide sucrée. Elle est très très bonne. Allez, voilà, voilà. Et on va rappeler beaucoup parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais recharger toute solide, sinon ça va encore bugger. Mon chargeur, tout ce qui est. Bon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut que ça vienne maintenant. J'espère que ça va, je me dépêche parce que sinon, oh, pas dans la merde, sinon. Voilà, je suis ici, vous inquiétez. Donc j'espère que ça va se faire. Excusez-moi si j'ai dû basculer parce que pour brancher mon téléphone, c'est juste en dessous. Donc du coup, j'ai dû basculer mon téléphone et mon chargeur il se met à la droite, comme ça. Je suis désolée. Ensuite, je vais recharger ma tablette, sinon je vais... Alors, après le sauce, on passe au produit suivant. Donc, j'ai testé de chez le couvent des Minimes. C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai dit. Eau sereine, botanique, recipe of serenity. Une crème pour les mains, lavande et mandarin, 25 ml. Comme ceci, mieux comme ça. Du coup, je vous fais comme ça parce que ça, si je vous mets comme ça, vous n'allez pas voir, vous allez avoir le reflet. Donc, j'essaie de me mettre correctement. Voilà, quand même. Très très bien, mais elle faisait un peu la main trop trop douce après. Moi, j'aime bien que les mains soient grasses et nourrissantes, tant qu'à faire. Mais sinon, on a donné une nouvelle mère et ma mère aimée. Donc voilà pour le niveau des cheveux. Donc, j'ai fini ce petit miracle pour les cheveux. Très 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 abîmé.
Donc c'est REPR à la kératine liquide Ultimate Fiber Mask SOS, réutilisable à l'Omegaplex, d'accord. Reconstruction des liaisons de la fibre, cheveux abîmés et sursollicités. Donc moi j'ai surkiffé, j'ai même plusieurs fois, j'en ai donné un en cadeau pour une personne que bah, qu'elle avait les cheveux abîmés, elle en dira des nouvelles. Du coup, mais vraiment il marche très très bien ce soin. Parce que j'en ai donné un, donc c'est vraiment qui marche bien. 20 ml, et du coup, bah, ça je le valide beaucoup. Je l'ai pris en coffret, il y avait ça dedans, il y avait trois comme ça. Et avec aussi un spray, pareil. Pratiquement pareil que celui-là, dans la même gamme quoi. Et du coup, bah, je l'ai payé cher le coffret, je pense que je l'ai payé 4 euros si je ne me trompe pas. Et c'est pour ça que j'ai racheté, parce qu'ils vont très très bien. Après le spray, je peux pas vous dire, j'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, le soin il va très très bien. Comme ça, en tout cas. Il y en avait trois comme ça et un spray. De la même gamme. Donc j'ai hâte de les tester. Bon, les papiers des trucs, des crêpes au maroilles, on a compris, on valide. Une compote à la pomme qui fait très bien son job. Voilà. Une compote en pâte classique. Un peu... Par contre, dedans il y a des trucs rajoutés, je pense que je. Alors, il y a des papiers décidés là. Je sais pas ce que. Des ours nature sucrés que j'aime beaucoup, rien à dire, qui vient de chez Envia, donc je pense que c'est chez Lidl. Très très bon, rien à dire. Café macchiato goût caramel. Donc ça on avait testé en vacances, c'était très très bon. Celui-là. Donc c'est la marque Maxon House, donc c'est café macchiato goût caramel, je sais pas si je l'ai dit. Bref, très très bien. Il y avait du lait au caramel. Oh, qu'est-ce que ça faisait plaisir de boire ça. Pareil, oh, parce que j'étais pas toute seule, il y avait aussi ma famille qui dégustait ça. On avait trop trop aimé. Ça, c'est mon Arizona que j'ai pas fini. C'est l'Arizona au citron. Donc, ça vous ferait un petit pot. Mais pour le moment, il est presque fini. Donc, je vais vous le dire maintenant. Il est très très bon, rien à dire. Alors, j'ai testé les danettes. Là, c'était au rocher noix de coco. Que j'aime beaucoup. Les danettes. À la madeleine, saveur madeleine que j'aime beaucoup. C'est une tuerie ce truc là. Ça saveur un peu comme des Oreos. Très très bon, rien à dire. Encore la nature que j'aime beaucoup aimer. La nature sucrée, environ. Une étiquette de bijoux de chez nous. Je ne sais plus lequel. Bref, je vous fais voir. Ça c'était des petits Milka. Ah, oh, vous répondez. Des petits Milka aux Oreos. Je sais pas si vous allez bien voir. Tout c'est net. Donc c'était ceux-là. Ils sont très très bons. C'était ceux-là. Comme les tout petits os au Milka. Oreo. Très très bon. Rien à dire. Et ça fait un peu comme. C'est des biscuits saveur chocolat. Et ça fait un peu comme des Oreos, ils sont très très bons, rien à dire. Et une bougie qui n'a plus d'odeur, c'était une bougie à noix de coco que j'avais eu dans chez Axon. C'était une bougie à sel de mer et noix de coco que j'avais raclée parce qu'il y en avait encore beaucoup. Donc je l'ai mélangée avec un peu de cire à la noix de coco que j'ai vu chez Axon. C'était. Des petites cires qui sont super beaux pour les photos fortes et du coup bah, ça fait une grosse pastille et puis normalement bah ça devrait le perdre donc je l'enlève. Voilà, c'est un peu dommage. Et un mouchoir, je ne sais pas pourquoi dire. Donc ce haul est maintenant terminé. Donc j'ai fait mes cheveux, pourquoi faire. Moi j'ai fait mes cheveux, bah, moi je suis tranquille. Du coup ce haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'essaie assez de me dépêcher parce que j'ai pas envie que ça mette trop plombes à le faire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter ma vidéo. Ajoutez-moi sur mon Instagram et moi sur mon Snapchat, je vais y arriver. Pour avoir tout ça, c'est dans ma chaîne YouTube. Et c'est à propos. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Dans la catégorie à propos. Précisément. Donc là, vous allez voir pourquoi je fais ce haul. Et peut-être, peut-être. Et puis, j'ai mis mon adresse Snapchat et mon Instagram afin de me suivre également sur ça. Pour faire les produits déballés, c'est sur Instagram, et puis pour blablater sur Snapchat ou l'inverse, peu importe. Mais je mets pas de photos produits finis sur Snapchat,
Là, je mets plus pour blablater et tout ça. En tout cas, te tenir dans le respect et la bonne humeur. Pour chaque sur YouTube, sur Snapchat et sur Instagram, bien sûr. Voilà un peu ce que j'ai à le dire. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais plein de gros bisous au Rochefuyau, évidemment, ça part. Bref, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.